kidnapping enragé ça, kidnapping qui débordé ça, li vini évidemment après 6-7 juillet 2018. Li commencé à étendre sur tout le pays, sur tout le Port-au-Prince là. Après ça, bon, c'est l'oc 2019 là, qui va nous vrai kidnapping ça. L'oc 2019 avec Anel Belizer. Est-ce que vous comprenez? L'oc là avec Anel Belizer, fait année 2019, qui va nous kidnapping ça nous est là. André Michel, SDP, Major Michel Luncato, Chela Ludo, Youla Totsi, vous comprenez ça, Médulan, Evalier Beauplan, Kabazam, tout partout. Et puis qui va nous sanguer là. Chaque haïtien doit songer ça. Parce que trop de monde mourit. Faut que tout le monde qui est tout yé yo. Jodia, le nap couru pour bandier, Père André Michel a vivre dans le pays. Moi, je dis nos grandes bagages, Père Haïtien. Il y a des hypocrisies, il faut que nous mettions de côté. Nous avons couru pour gang. Nous avons besoin de craser le village de Dieu, c'est vrai. Et l'important pour nous craser. Nous avons besoin de craser Gravine, c'est vrai, pour nous libérer Matissan. L'important. Parce que nous avons 4 départements qui sont bloqués. Mais écoutez, ne quittez pas nos bandits. Yo là. André Michel n'a pas de Brésil. Donc, quand on n'a pas de Brésil, Majorie Michel n'a pas de Brésil. Ricard Pierre là. Ariel là. Edouard Bossan là. Chérif Abdallah, toute activité dans le pays a marché. Mais j'étais comme si nous avons tout été exécutant. Yo. Mais est-ce que nous ne pouvons pas le trouver avec ça autour? Parce que il y a ce problème non. Il y a ce véritable problème non. Il y a ces entreprises qui produisent des bandits. Est-ce que nous avons quitté là? Guacalé a répondu une réponse. A répondu ça, on avance. Prendre toute analyse, toute recherche, pour montrer que tu es toujours contre un kidnapping. Tu es toujours un banditisme dans le pays. Mais nous ne pas déjà arriver dans la liquidation ça. Ok? Et dans ça, nous arrivons là-dedans, là, c'est depuis après tous les pays locs. C'est depuis après copé des barricades en 2018, que c'est des âmes qui étaient baillées pour barricades. OK? Ils n'ont pas retourné. C'est des âmes qui étaient baillées avant ça pour l'élection. Et puis, ils ont perdu le contrôle des âmes. OK? Ils ont perdu le contrôle des âmes. Donc, à partir de après pays locs 2018, tout le monde campé des barricades, tout le monde campé dans la zone, et puis tout l'État. L'État vient à l'école et puis chaque nègre a géré son yo. Je dis à la, est-ce que vous voulez expliquer nous à travers des massas, bon côté comme là qu'on allait, que le pas allait encore. Donc le fait que le pas allait, ça vient automatiquement un impact sur question de là, en cash là. C'est chercher l'argent, c'est loi offre et demande. Ça veut dire que si et seulement si, t'es bon marché pressé que t'es qu'on fait maman, papa, cousin, cousine, mon travail, zami, à mettre ensemble, à chercher, fin de goût, mettre en dollar, chercher l'argent, pression ça n'a pas existé. Ça dit que soit regarder, je dis à Kay Bandio, soit t'as fait un inventaire pour des mondes qui dehors. Et en pile monde dehors, parce que ça lié important pour que nous connaissons ça. Et en pile l'argent. Déplacé dans la classe moyenne, décapitalisé complètement. Et l'agence a côté aller. Edouard Bossan, il faut qu'on réponde. Jérif Abdallah, il faut qu'on réponde. Et pourtant, est-ce que vous comprenez? On paquette l'argent. Est-ce que vous comprenez? Et il est important. Voilà, c'était Guy Alexis, ok, qui t'a fait cette intervention. Ça. Nous avons trouvé qui est important pour que nous soyons passés. Alors, partagez l'ensemble avec vous. C'était extrêmement important pour nous. Pour que nous partagions la somme avant. L'autre bagage qui a fait parler de lui dans les réseaux sociaux, son bagage était chargé. Et c'est nous, Léon Charles Gonom Katakel là. Et il y a ancien député, nous capable de dire, et Alfredo Antoine, qui n'ont bataille sous Twitter avec Léon Charles. Léon Charles a répondu, ça c'est Léon Charles qui est sensible à la gâchette, oui. Par contre, Léon Charles répond, c'est rapide comme ça, non? C'est difficile, monsieur. En tout cas, monsieur, le pays a trois bagages qui pour gérer. Et Alfredo Antoine, il y a trois bagages qui pour gérer. En nous bataille pour nous débarrasser le pays de l'équipe Ariel. Et pas bah, bataille avec Léon Charles, Kabal Menon, Kabal Fombaye pour le moment. Léon Charles, cherchez quand on met d'ailleurs, en nous bataille pour nous débarrasser le pays de groupe gang ça là. Ce groupe est café. Et va répondre sur les réseaux sociaux, bagaille rancé, ça va pas dire rien là. Ça va pas dire le pays rien. Et pays y a un paquet de questions qui a posé, c'est normal. Mais moi-même, ça que je toujours dit, ou toujours font façon mettre à la disposition la justice, même si qui n'a pas gagné qu'à régler, ou toujours répondre aux questions. Je dis bravo, mais moi-même, je dis, et pour moi, je ne peux pas attaquer,
justement ou même dégager sous capable payer en bourette pas payer en bourette nous c'est militaire c'est policier vous comprenez nous retire de base payer de Ariel monsieur vous comprenez Ariel prend pouvoir sous même Léon Charles on est de me foutre Ariel à terre volons ça comme si chien ça va dire nous rien là volons capable alimenter gang volons dans gang aider nous mettre ça terre et blanc vous retourner dans pays où et jusqu'à présent rentrer dans pays où pas pour caler vous comprenez ça veut dire que pays a vous pas voler ensemble avant sous rentrer dans pays où on a dormi ou dans pays je pays ça là. Pour qualité bagage qui a passé dans le pays, chaque nom non n'est pas cité. Si c'est dans la corruption. Alors, Léon Charles, qui maintenant, il n'a pas dit c'est pour voler. Il n'a pas dit Léon Charles dans la corruption. Il a dit, on s'est dit, diplomate qui là, depuis 1990, blanc m'a dit pour changer. Léon Charles dans la diplomatie il y a longtemps. On est capable de comprendre ça. Si, tu as un monde qui a une accusation sur Léon Charles, ben justement, la gueule sous table là, la gueule de Léon Charles, tête droite. Et il y a un rappel d'autres monde qui a sanctionné. Alors, il a demandé ça pour rentrer dans le pays, c'est pour voler. Moun ki tap vann passeport yo, parmi yo moun bouchit yo, la tête chargé. Bouchit 32 ans dans diplomatie. 90 à 2023. Ouais, 33 ans. 90 2023, 33 ans. Ouais, 33 ans. 90 2023. En pile dans la diplomatie. Ancien premier ministre, ancien ministre affaires étrangères, Dr. Claude Joseph, t'as répondu une question sur accusation qui planait sous tête li. Alors, ça yo dit sur les réseaux sociaux. Et en pile nèg qui nan média en li là. Il parle avec Claude Joseph qui choisit. Moi, je te dis ça. Depuis que tu as un dossier pour Claude Joseph, c'est le premier monde qui t'a dit PM, ça qui passe. A pas moi de voler 3 millions de dollars américains. Je t'ai dit ça clair. Est-ce que vous comprenez? Et je t'ai venu là pour payer, je t'ai dit PIA, monsieur, dans volant. Depuis que tu as un document, pas de qui vous jette dans ça, non? Est-ce que vous comprenez? Depuis que tu as un barré comme ça, moi, même temps, des informations, hein? Et puis, je suis prêt à disposition, je me questionne. Nan ki nan volo a FBI, département d'état met dossier dans la rue. Dès qu'on nan volo comme pays ça, ou pas qui doit vivre en paix, faut quand ça pété fiel ou. Il faut quand ça pété fiel famille ou qui mange comme ça. On a volo comme pays ça. En entendant Claude Joseph, ancien premier ministre qui t'a appelé pour une question, journaliste pendant que il t'a bail en conférence de presse dans département sud pays là. Salut BM là. Écoutez, tout le monde qui vive dans pays là, quel que soit où tu passé dans l'état ou bien ou pas de passer dans l'état, situation population doit interpeller. Pas de monde qui doit être indifférent par rapport à ce qui a passé dans le pays. Comme les monde qui était dans l'état, moi te ouais des filles, mais je dis comme un leader politique, moi pas capable d'être indifférent par rapport à la souffrance population. Je ne suis pas capable d'être indifférent. Les populations prennent la rue pour la bataille, pour déchouquer les gangs. Les populations décrétent permanence d'un gouvernement qui est incapable, qui est illégitime, qui est décrié et qui est impopulaire. Donc c'est tout le monde qui vous mettez ensemble pour faire le gouvernement Ariel Henry, qui est un gouvernement décrié, illégitime et impopulaire dans des réseaux. Merci à vous. Qui ça Claude étant que le monde qui était premier ministre et vous croyez que vous avez accès avec CSDG, CSPN, qui t'a dirigé pays et l'Ovina, par qui vous passez au Vina. Qui me dit ça? Et nous c'est Max Actualité. Ok, pour qui me dit ça, ma carrière, garde Max Actualité. Maman, par qui vous passez l'état que vous avez bien accès à la sécurité pays, qu'on y a la dame, qu'on est qui vous fait passer pour qui vous faites Vina, quoi, des sûr, est-ce que c'est maritime, arrivé, qui vous fait Vina? Merci. Bon, et moi, je suis venu là. D'abord, je suis venu que je suis pas un monde qui vient, mais c'est un monde dans le sud. D'accord? Moi, dans le sud, presque chaque week-end, parfois chaque mois. Et moi, content, bataille, bon côté monde dans le sud, qui croit que je dis, le gouvernement en place là, doit être en déraison parce qu'ils sont incapables. Gouverner, c'est prévoir. Malheureusement, le gouvernement ça souligne bien plus crime, souligne bien plus massacre, et il n'y a pas gain aucune velléité pour améliorer les conditions de sécurité. Parce que quoi, SD, secrétaire départemental, Delva, M. Delva, sorti tout à l'heure,
seul objectif gouvernement ça c'est toujours PPP sur pouvoir. Docteur Claude Joseph. Qui donc alors si on a un petit coupé la donnée. Si vous organisez élection, vous êtes obligé d'aller. Et pour organiser élection, vous supposez battre. Aïe. Et ensemble avec nous toujours, c'est Dr. Claude Joseph, ancien premier ministre, qui t'a fait un petit répondre qui t'a répondre une question à la presse dans le département sud-pays. Dans le tournée qu'il t'a fait dans le département sud-pays. Claude Joseph, c'est Monokai. Monokai, monsieur. Est-ce que Claude Joseph est Monokai? Bon, comme ça, non? Je ne sais pas, monsieur, exactement, non? Vous êtes bon, naturellement, c'est mon dans le sud. Même si c'est au sud, Okai, même si c'est grand sud en général. Sauf que monsieur dit c'est mon dans le sud. Normalement, bataille là, beaucoup de pas nous-mêmes la continuer. Et son responsabilité pour nous continuer gourmet. Et son bataille qui n'est pas campé, qui n'est pas campé, qui n'est pas qui doit camper tout. Ok? Et nous dit, faut combat et avancer. Parce que pays en situation difficile, petit pays en a mouru, mais de fait, bois calé dit, faut qu'on solution. Et on va essayer de continuer à Dr. Claude Joseph. Les essayer, malgré livrer à tête, li, la chercher un passage. Et pour ça, nous-mêmes, nous accompagnons la population dans la rue. Pour nous dire, continuer la mobilisation contre l'insécurité. Là, vous prenez bandit, examinez, remettez-vous par la justice. Quant à pour moi-même, pour raison sécurité, parce que vous connaissez le système ça li organisé pour le faire victime de Nebourou, innocent de Nebourou coupable, pour permettre que je ne me dise pas comment je viens là et comment je vais aller là. Merci. Docteur Joseph, c'est ministre des Affaires étrangères, ça veut dire quoi? Il y a un scandale. Mais Jean-Claude Joseph répond. Joseph voulait. Pour le finir, il dit mais c'est quoi permettre Mbadjo, comment je viens là et comment je prends la caille. Et c'est normal. Et c'est de façon stratégique parce qu'il faut que l'agir de sécurité. Bravo, Claude Joseph. Mais c'est pas égaré, nous, c'est grand monde soulé. Est-ce que vous comprenez? Un pays difficile, mon Thériel dit. Un pays difficile, hein. Est-ce que vous comprenez? Et en nous t'a dit non. Nous, qui a sonné sur ça? Bon, moi bien content. Merci un peu pour vos questions. Moi quitté tête chancellerie haïtienne comme ministre pendant les derniers 15 ans, il y a un plus gros bilan. C'est sous moi. Pendant l'année fiscale 2020-2021, DGI rentrait plus l'argent. Plus que 1 milliard de gourdes. Ce n'est pas moi qui dis, c'est mon opposant à le régime qui dit. Et donné là. Dans la diplomatie, c'est moi-même qui combat le népotisme et le favoritisme. Faut que nous. On a celui-là tellement de problèmes. Voilà. Mais normalement, je suis sûr que nous avons de l'essentiel dans ce qu'il dit. Pour compatriotes nous qui vivent l'autre bord. Qui donc, moi espère que le gouvernement en place a continué à bataille, moi mener dans la diplomatie. Ben, il n'y a pas de bataille que le gouvernement en place pour mener dans la diplomatie. Pourquoi nous avons fait? Pour nous faire des jeunes garçons, jeunes femmes passer dans le concours sans être un sénateur, à un député qui faut entrer dans la diplomatie. Moi conseille le gouvernement ça. Pour les continuer, le travail que nous avons fait, rapport de 40 pages, toutes les recommandations que nous avons rapport ça, pour nous suivre, les, pour nous capables d'avoir une diplomatie de la dimension de la glorieuse histoire d'Haïti. Merci. Alors, on va parler de questions bilan, donc ce qui sont captés sous tête, question de 3 millions de dollars américains, la question de diplomatie, et qui sont à 10 millions de dollars. Qui est-ce qui dit ça? Bon, ou elle ou elle? Non, comme journaliste, d'abord, non, non, mais sur le réseau, ou elle, autant de déclarations du ancien diplomate fait. Non, pas du tout ça. Il n'y a pas de problème. C'est le même tout, le Dominicain tout.
bon, je vais vous répondre à la question. Pas aucun monde qui dit que vous avez fait $3 million. Bon, mais qui ça approcher comme commission. Mais qui ça m'a fait répondre. Système que nous avons combattu là. Depuis le jour où nous avons fait une grosse conférence de presse, Port-au-Prince, nous avons demandé à Ariel démissionner parce qu'elle est incapable. Système qui chita sur corruption, népotisme, système qui chita sur inégalité, injustice sociale là, système ça, il va faire nos cadeaux. Pas oublier que m'a mené 3 batailles. Une bataille pour me capoter système ça, une bataille pour le président Jovenel Moïse une justice, une bataille contre l'ultranationaliste dominicain qui voulait faire Haïti tourner til la cour de la caillou. C'est 3 combats qui sont au carrefour de grands intérêts. Justice pour Jovenel Moïse, ce n'est pas une petite bataille. Bataille pour sanctionner 53 personnalités dominicaines parce qu'ils ont impliqué dans la corruption, blanchiment d'argent, le blanchiment des avoirs, enrichissement illicite, corruption à grande échelle, comportement xénophobe. Ce n'est pas une bataille qui saigne. Donc, je ne suis pas étonné que vous capable de faire n'importe quelle accusation. Mais ça que certains, nous même n'a aidé, nous pas prendre en diversion, nous pas prendre en distraction. N'a continué à demander à Ariel Henry pour tant de raisons, parce que ça peuple a voulu, c'est ça bon Dieu. Monsieur Joseph, par rapport à la sécurité, ou même, tout le monde connaît que pour voir qu'il a ces continuités de HPK, au moment de la dernière. Qui s'acquitte fait que vous pouvez empêcher à ce que vous arrivez là, puisque. Merci, c'est qui me dit. C'est qui me dit. C'est pas les Caraïbes. Merci, Caraïbes. Et nous-mêmes, l'un des premiers ministres, pendant un petit bout de temps très court, nous avons organisé régulièrement, et parfois même 3 fois par jour, des CSPR. Nous-mêmes, nous n'avons pas traité des bureaux. Nous. Nous n'avons pas besoin de rester dans le pouvoir indéfiniment, qui donc nous alimenter l'insécurité. Parce que nous mettons cap pour nous organiser l'élection. C'est la raison même qui fait oligarchie, qui fait système, assassiner ancien président. Donc, quant à pour moi, je suis un pied à terre. Mais il faut nous reconnaître que l'insécurité a son héritage historique qui l'a. Je dis à Ariel Henry qu'il y a plus qu'un an, 6 mois, presque 2 ans sous pouvoir. Au lieu que la situation insécurité a amélioré, la situation a empiré. Dans un an, de avril 2022 à avril 2023, il y a environ 1000 personnes qui mourent. 1000 personnes qui mourent. Il y a plusieurs massacres qui sont faits. Le gouvernement ça. Li garder le silence. Parce que raison même qui fait que c'est Ariel qui l'a, c'est parce que c'est le premier ministre qui est capable de faire silence et qui a toujours fait silence. Les compatriotes en République dominicaine ont subi des traitements inhumains en bas même.